big advantage here, because each time they score, of course, the pressure's on Ghana to make sure that they equalise. Bafo's got to score this one. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis Alain Gouaméné, comme vous venez de voir. Mais c'est facile de voir ça. Ça, trop facile. Ah, il a arrêté le pénalty. Mais d'où vient-il? C'est la question. Comment il est arrivé là? Un enfant né dans un petit village à 20 km de Gagnoa. La seule alternative qu'il avait pour sortir de ce village, c'est de faire des études, aller à l'école. Vous connaissez CP1, CP2, au CIROD. Et avoir l'entrée en sixième surtout. Parce que quand on n'a pas l'entrée en sixième, qu'est-ce qu'on devient? On devient planteur ou cultivateur en même temps. Parce que nos parents n'avaient pas l'argent pour aller payer les cours en sixième, la scolarité. Ça, c'était mon rêve. Pas ça. Je vais vous parler cet après-midi comment positiver son stress dans toutes choses. J'ai fait une grande école. La grande école pour moi, c'est le football. Et le football, c'est l'école de la vie. Et je m'explique. Vous êtes dans des grandes sociétés où vous êtes 1000 ou 2000 dans des grandes sociétés où vous travaillez. Même ne pas dire bonjour à son collègue de travail, c'est pas grave. D'autant plus qu'on est dans le même bureau, on bosse. Mais au football, quelqu'un qui t'a pris ta petite copine est ton partenaire de tous les jours. Promenade ensemble. Dîner, déjeuner, petit déjeuner, déjeuner et dîner ensemble. Causerie des matchs ensemble. Et il est en latéral droit. Est-ce qu'on lui donne pas le ballon? C'est ça, je vous dis, c'est l'école de la vie. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dans la vie, c'est facile, mais là, c'est compliqué. Mes paysans que j'étais, je suis très heureux d'être là aujourd'hui devant vous. Vous parlez français au lieu de vous parler bété. J'ai pas envie de parler de moi. Non, c'est pas le problème. Le but n'est pas de parler de moi. Le but est de comment arriver à ça. Et j'arrive à vous, les parents. Vos enfants, ben c'est pas vous qui allez jouer au football, mais c'est vos enfants qui font le football. Alors, vous les prenez, vous les enlevez de l'école, vous les amenez sur un terrain de football, il faut qu'ils jouent. Non. Il faut faire des études d'abord et après faire du football. Pourquoi? 600 élèves dans une classe, il y a au moins la moitié qui réussit, 50%. Sur 100 joueurs, il y a un seul qui réussit. Un pourcentage vraiment minime, si on appelle ça pourcentage. Alors, pour donner plus de chance à nos enfants, pour avoir ce courage de pouvoir vivre leur vie, première des choses, emmenez-les à l'école. Encouragez-les à réussir à l'école. Et vous allez voir, après le foot, ça m'est tombé dessus, parce que moi, je ne suis pas footballeur. Non, je faisais du handball. Et ça m'est tombé dessus. Et j'ai fait du football. Mais quand je l'ai fait, parce que ça nous amène à 92, il y a beaucoup qui ont envie d'attendre. Comment ils ont fait? Il paraît qu'il y avait des sorciers, il paraît qu'il y avait tout. Non, ce n'est pas le but. Non. Pour vous dire qu'en ce moment, c'est ça. Vous voyez que le Ghana en finale. Mais le plus dur, dans nos stress que je vais vous dire de positiver, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas les finales.
c'est les demi-finales. Les finales sont simples, où tu gagnes, où tu perds. Et si vous regardez bien le tableau du football, du sport en général, mais du football en particulier, tous les troisièmes, les médailles de bronze, sont plus heureux que les médailles d'argent. Quand on donne les médailles. Vous ne faites pas attention à ça. Parce que quand tu as la médaille d'argent, c'est fini, tu n'as pas gagné la coupe. Mais tu seras toujours le perdant. Et en demi-finale, quand tu as la troisième place, tu es heureux de brandir ta médaille, alors que tu n'es que troisième. Donc les plus malheureux dans le carré, c'est toujours le quatrième et le deuxième. Ça me ramène à la demi-finale. Cette demi-finale contre le Cameroun, vous vous rappelez, j'espère, au tir au but. Le stress, il n'y est pas encore. Parce que c'est une demi-finale. Si tu la perds, qu'est-ce que tu fais? Tu joues le match de classement. Mais en Côte d'Ivoire, mon cher pays que j'aime beaucoup, quand tu gagnes en demi-finale, que tu échoues en finale, tu es un homme mort. C'est juste une parenthèse. Tu n'es pas mort, mais quand tu reviens, on te regarde avec un air, on dit, mais regarde-moi, ça ne vaut rien là. Et quand tu viens à la médaille de bronze, on dit félicitations. Donc la demi-finale, sans stress, et on la joue. Le stress, c'est pas le match qui donne le stress. C'est vous qui donnez le stress. Oui. C'est vous qui donnez le stress. Parce que ce qu'on appelle, madame qui est passée tout à l'heure est partie, quand on fait du coaching, on attend toujours un feedback. Le feedback, c'est vous au niveau du football. Pourquoi au niveau de la sélection, le feedback vient de vous? Parce qu'après, quand on est à l'hôtel, qu'on a perdu, on a toutes les informations. Les journaux qui nous insultent, ta femme qui t'appelle pour dire qu'on t'a insulté ici, tous tes amis, et là tu es mort dans la tête. Ça, c'est le feedback du foot. Alors, le stress en ce moment, il est comment? Il revient à un niveau très, très élevé. Très, très élevé. Et le soir, tu dors. Tu as besoin d'une revanche. Et tu as la médaille des bronzes à jouer. Donc, tu as encore une chance de relever les défis. Mais nous, on gagne la demi-finale. Et on arrive en finale. Mon pire ennemi, je vous le jure, vous êtes tous dans la salle ici, je ne peux pas conseiller ça, amener mon pire ennemi en ce moment-là. Vous avez dit, mais vous l'avez arrêté. Non, avant. Avant. Quand je vous parle de stress, comment positiver son stress? Parce qu'il y a la peur. Ce n'est pas la peur de dire on va perdre. C'est la peur de ce que vous, vous allez penser de nous. Et comme nous avons reçu ce feedback, pendant le match, les 120 minutes, on n'a plus de stress parce qu'on joue. C'est une continuité. Mais quand on arrête tout, et quand tu penses que tout un pays, surtout notre pays de football, la Côte d'Ivoire, qui a loupé, manqué plus de 10 cannes avec les grands joueurs comme Laurent Pokou, paix à son âme aujourd'hui, et toi tu te retrouves là, un jeune paysan qui s'instruit, et qui est dans le football, il a le monopole de mettre toute la Côte d'Ivoire à un niveau au-dessus de tout le monde. Imaginez un peu ce que c'est. Et surtout, la veille, on te dit que le président Oufot Boigné, père à son homme, a appelé, a téléphoné, et il voulait te parler.
Voyez-vous, je ne veux souhaiter personne dans ces... Je ne veux jamais plus moi. Heureusement, aujourd'hui je suis devenu formateur, des coachs, formateurs des formateurs, mais je ne souhaite personne à ce niveau, même ceux qui jouent aujourd'hui. Et là, on nous dit d'aller dans le but. Et on joue contre qui? Vous, pour vous, c'est tout juste un pays frontalier. Pour nous, c'est un ennemi pacifique. Le Ghana. Et là, je vous le jure, tu n'as plus rien. Donc le stress te dépasse. Et comment le positiver? On pense à quoi? Quand vous êtes stressé, vous pensez à quoi? Il y a des gens qui pensent à leurs enfants. Ils pensent à leurs épouses. Il y a d'autres qui pensent à leur... comme vous savez. C'est un peu un tout. Et moi, en ce moment, au Faute Boigné, vous voulez me parler? Je pense à quoi? J'étais lessivé, fatigué. Je n'ai raté aucun tir. L'avant-veille contre le Cameroun, j'allais en réalité 3. Et là, rien. Et j'ai dit, je suis mort. Mais ce qu'on ne vous a pas présenté, quand je parle de stress, j'ai pensé à mon épouse. Mais ce qu'on ne vous a pas présenté, c'est quand moi-même je devais tirer mon pénalty. Le pénalty de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ton pénalty. C'est le pénalty de Côte d'Ivoire. Et je vous dis, je ne veux pas parler de moi parce que j'étais malade déjà. J'ai une hernie discale L5 qui était broyée pratiquement. Donc je ne pouvais pas jouer du pied droit alors que je suis droitier de naissance. Si vous regardez encore ce film, vous allez voir que j'ai tiré avec le pied gauche. Quel risque pour notre pays. Mais j'ai dit, j'ai pris le ballon et j'ai déposé le ballon. Et je dis embêté, non, sérieux, tu vas pas rater leur pénalty. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut en rire. On ne pensait pas à l'argent. Là, tu penses à la Côte d'Ivoire. Aucun joueur au monde, footballeur au monde, ne pense à son pays quand il joue. Personne. Celui qui le dit, il vous a menti. Parce qu'on n'a pas le temps de penser au pays quand on joue. Parce que tout est en mouvement. Mais là, c'est à l'arrêt. Le seul moment où on pense à la Côte d'Ivoire, à notre pays, c'est quand on chante l'hymne national. Après ça, fini. On ne vous considère plus. C'est bon, vous allez nous insulter et vous allez être avec nous, ce n'est pas bon, vous allez nous insulter. Et là, j'étais là, je tire mon penalty. Dieu merci, je le marque. Et il y a un ouf. Oh Seigneur, s'ils veulent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent maintenant, moi j'ai rien à foutre. Et je vous le jure, j'ai rien à foutre. Le dernier pénalty d'Aka Kwame, il a failli le rater, pratiquement il a failli rater ce pénalty. Et moi quand j'y allais, je n'avais rien à attraper, donc j'étais fatigué, lessivé. J'ai pensé à ma petite femme qui était dans les tribunes. On n'avait pas d'enfant encore en ce moment. Et j'ai dit au fond de moi, et j'aime pas ça aussi à mes parents, parce qu'on insulte aussi les parents, j'ai dit, il faut l'arrêter, celui-là au moins. Et comme les grands joueurs ne changent jamais leur manière de tirer, le premier, il avait tiré à droite, je sais qu'il va mettre à droite. Si vous regardez bien, je suis parti même avant qu'il ne tire. Et j'ai arrêté ce pénalty. Et ça m'a ramené au village d'où je venais. Si moi je le fais, ça, vos enfants peuvent le faire.
ne les brusque pas, ne les amène pas forcément au football. Laissez-les aller seuls, que tout tombe sur eux. Mais la seule chose que j'ai retenue dans tout ça, madame, monsieur, est-ce que vous pouvez comprendre que, après cette compétition, cette agitation, c'était fini, terminé. Je me suis assis sur le banc des touches. Tout le monde courait partout, moi j'étais assis là. En face de moi, j'avais mon épouse. Vous savez ce que je lui ai dit? Il dit, maman, mais tout ça, à cause de ça? Parce qu'on ne savait pas encore ce qui s'est passé à Abidjan. On ne savait pas encore ce qui s'est passé à Abidjan. L'engouement qu'il y avait ici, les débordements, le triomphe qu'il y avait ici. Vous-même, vous l'avez vu. Je m'appelle Alain Gouaméné, né à Badiepa, et je me retrouvais dans la même voiture que le président Oufouette Boigny. Dans vos entreprises, dans vos, tout ce que vous faites dans la vie, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, il y a des indépendants. Ne lâche jamais. Il aura toujours l'adversité. Je n'avais aucun talent. Je n'avais aucun talent. Mais j'ai bossé. J'ai tout positivé en disant que j'allais le faire parce que certains le faisaient déjà. Et pourquoi pas moi? Et en ce moment, vous pouvez arriver. Vos enfants aussi peuvent arriver. C'est ce que je voulais vous dire cet après-midi. Parce que si on rentre dans les détails, non, je pense que personne ne passera après moi. On va aller jusqu'à demain matin. On a été très heureux, c'est vrai. Mais ce que je retiendrai toujours pour cette Coupe d'Afrique était juste le vouloir et vouloir réussir. Je vous remercie. Le football.